Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, moi je vais excellemment bien. Mon nom c'est Tous et Moussa, je suis le promoteur de cette chaîne, l'UDTM. En passant, tu peux déjà commencer par t'abonner et partager cette vidéo parce que dans cette vidéo, tu vas voir tout. Bref, aujourd'hui nous allons parler de ce que tu peux faire lorsque tu as sept refus dans la procédure Campus France. Actuellement, les réponses sont en train de tomber. J'en connais qui ont déjà d'acceptation. C'est très bon. Ils sont soit chanceux, soit méritants. Et j'en connais également qui, malheureusement, n'ont pas d'acceptation. Et qui, malheureusement, n'auront pas d'acceptation. Ça fait très mal. Ça a toujours été comme ça depuis que je fais la procédure. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas les premiers et ils ne seront pas les derniers. Mais, il y a des choses qu'on peut faire, mais même quand on n'a pas une acceptation dans la procédure classique, et c'est de ça qu'on doit parler, ou du moins qu'on va parler dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, donc, c'est de te présenter quatre alternatives lorsque tu n'as pas d'acceptation dans la procédure classique Campus France. Si tu es prêt, moi également. Alors, allons-y. Avant de te présenter les quatre alternatives dont je parlais il y a un instant, ce que tu dois faire avant toute chose, c'est faire le point. Dans la vie, quand tu essaies quelque chose dans tous les domaines, que ça ne marche pas, tu t'assois, tu prends une feuille et un bic si possible et tu fais le point de ce qui n'a pas marché. Et dans la procédure Campus France, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si tu n'as pas eu d'acceptation, si tu as postulé dans 7 universités, entre-temps, c'était 15, c'est vrai, ça donnait beaucoup plus de chance, mais je trouve quand même que cette université, c'est raisonnable. Donc, quand tu n'as pas d'acceptation dans cette université, ça veut dire quelque chose. Soit que ton cursus n'est pas bon, ce n'est pas un jugement, mais c'est un fait. Quand je dis que ton cursus n'est pas bon, c'est que tu n'as pas de bonnes notes. Tu n'as pas fait peut-être de bonnes universités parce que les universités ici regardent cela, hein, j'en ai la preuve. Donc, c'est peut-être que tu n'as pas de bonnes notes. Peut-être que tu as à peine 10 ou légèrement 11. Et là, c'est difficile en fait. Parce que tu conviens avec moi que lorsque le responsable de la formation ici pour laquelle tu as postulé est devant 1000 candidatures, dans lesquelles il y a certaines candidatures qui se démarquent avec des 15, des 16 ou des 14 de moyenne, c'est clair que ce responsable de formation va privilégier ces dossiers plutôt que les dossiers avec de faibles moyennes, quelle que soit la motivation qu'il y a derrière. Donc, pour moi, ça compte beaucoup. D'autres te diront peut-être d'autres choses, mais pour moi, ça compte beaucoup. Peut-être que ton cursus n'est pas bon ou n'est pas très très bon. Ce n'est pas un jugement, encore une fois, c'est un fait. La deuxième possibilité, c'est que ton dossier Campus France a été mal monté. Et quand je dis qu'il a été mal monté, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses peuvent entrer en compte. Hein. C'est peut-être que tu as de bonnes moyennes, mais que tu n'as pas choisi des formations très adaptées à ton cursus antérieur. J'en connais qui sont passés par là. On va en parler sans doute dans les prochaines vidéos. Peut-être que le jour de ton entretien Campus France, tu n'as pas assuré, tu n'étais pas dans ton assiette, tu as mal répondu aux questions. Donc l'agent Campus France n'était pas convaincu par ta motivation. Et quand tu passes mal ton entretien, ce n'est pas souvent bon. Peut-être que tu as mal motivé tes lettres. Peut-être que. Donc, soit c'est que ton cursus n'est pas bon, soit c'est que ton dossier a été mal monté. Bon, j'abuse un peu peut-être, mais ouais, j'abuse un peu. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas à aller chercher de midi à 14h. Donc, fais ce point-là et positionne-toi. Une fois que tu as fait le point et que tu es positionné, donc une des possibilités, c'est de postuler pour des privés. C'est-à-dire immédiatement, quoi. On est là en début mai, tu peux déjà te positionner et déjà commencer par chercher des universités privées. C'est possible de le faire et c'est possible encore de venir d'ici août, septembre ou début octobre
pour commencer ta rentrée dès les mois à venir. Tu n'as pas besoin donc de perdre une année. Donc là, même si tu n'as pas un très très bon dossier, les universités privées sont beaucoup moins sélectives. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui entre en compte, contrairement aux universités publiques. Et il y a également qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures dans les écoles privées. Il y a beaucoup moins d'écoles privées, mais elles existent. Tu dois donc les chercher, voir en fait comment ces universités procèdent pour recruter de nouveaux étudiants. Donc c'est une possibilité à ne pas négliger. Moi, j'en connais beaucoup. Moi, je connais beaucoup quand même de gens. J'en connais beaucoup qui ont fait ça et qui sont en France aujourd'hui et qui continuent leurs études. J'en connais qui ont fini déjà même et qui se sont mis à travailler. Donc, c'est une possibilité à ne pas négliger. Si tu as un peu d'argent, si tu as des parents qui ont un peu d'argent, allez, vas-y, fonce. Ne regarde pas trop à gauche, à droite. Moi, je te conseille de foncer vraiment. La deuxième possibilité, lorsque tu as sept refus, c'est de faire un recours à chacune de ces universités. Ça va te prendre encore un peu de temps, mais tu peux écrire des lettres de motivation, parce que c'est des lettres de motivation, des lettres de recours à toutes les universités qui t'ont refusé. Et tu vas essayer encore davantage de motiver le fait que tu veux venir continuer ta formation dans leur université. Et je ne te garantis pas que ça va marcher, mais qui ne tente rien à rien, disons. Donc, c'est une possibilité. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur YouTube. Il y a déjà des articles qui ont été déjà rédigés, qui sont en ligne et qui parlent de comment faire le recours. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça ici. La troisième possibilité, c'est d'attendre et de repostuler l'année prochaine. Tu vas perdre un an, c'est vrai, mais si tu retentes et que tu as déjà au préalable identifié ce qui n'a pas marché, il y a une chance, il y a des chances. Il n'y a pas de garantie, il n'y a jamais de garantie dans la procédure Campus France, mais il y a des chances quand même. Je connais personnellement quelqu'un qui, l'année passée, lorsque il postulait pour la procédure Campus France en fait, il avait voulu faire une réorientation, mais il n'a pas su en fait convaincre les gens. Ce qui fait qu'il n'a eu que des refus. Mais cette année, par exemple, cette personne a eu des acceptations parce que cette personne s'est assise à faire le point, détecter ce qui n'a pas marché. Ce qui n'avait pas marché, c'est que cette personne avait mal choisi ses universités. Donc, elle a rechoisi maintenant des universités qui cadrent parfaitement avec ce qu'elle avait fait. Et ça marche. Ça marche. La quatrième possibilité que je te propose, c'est de passer à autre chose. Si la procédure t'a tellement déçu, ou si tu te rends compte qu'en fait ton dossier n'est pas forcément bon. Après, c'est toi qui le vis, hein, c'est toi qui le sens. C'est toi qui décide de est-ce que je vais encore essayer l'année prochaine ou encore essayer dans 3 ans. Personnellement, bon, pas personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas dire personnellement. Mais moi, je pense que lorsque tu sais au fond de toi-même que tu n'as pas un si bon dossier, avec le fait que la procédure devienne de plus en plus compliquée, tu pourrais passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est viser autre pays, par exemple, comme le Canada. J'en connais qui n'ont pas eu d'acceptation, Campus France, mais qui sont aujourd'hui au Canada pour continuer leur étude. Tu peux continuer ta formation chez toi, tu peux lancer une entreprise, tu peux faire autre chose. Mais réfléchis à ça, c'est une possibilité, passer à autre chose. Je ne sais pas. Réfléchis à ça, mais sache que tu peux passer à autre chose. Moi, je ne t'en voudrais pas. Et de toute façon, il y a 3 possibilités. Avant cette 4e possibilité, tu peux les explorer. Mais si ça ne marche pas, ne sois pas déçu de toi-même. La vie, ce n'est pas que Campus France. Tu trouveras un autre moyen à un moment donné de venir soit en France, soit dans un autre grand pays. Les portes s'ouvrent toujours à ceux-là qui ne cessent de taper à la porte. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que tu t'es abonné.
partage massivement. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, laissez des commentaires. Si vous avez des thèmes, des sujets que vous voulez que j'aborde, moi je suis là pour vous servir. Donc il faut le dire en commentaire ou me contacter directement. Je suis à votre service. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On s'attrape très prochainement.